Je vais vous présenter une marteseuse à chaîne. La chaîne est emboutie, vous voyez à l'intérieur, que l'on arrive à apercevoir à travers le plexiglas. Comme sur toutes les machines, on retrouve notre mise sous tension qui se fait dans le bloc ici. Beaucoup de carénage pour la protection qui empêche le contact main-outil. Et ensuite, de nombreux réglages. La table, le guide, impresseur pneumatique, impresseur manuel qui vont permettre de positionner la pièce et de la maintenir correctement. On retrouve des rallonges de table gauche et droite qui sont extensibles. Comme vous pouvez le constater, elles sont équipées de systèmes de butée escamotable. Cela permet un travail en série, aussi bien à gauche qu'à droite. La table peut se positionner en hauteur. Il faut desserrer ici et on peut réajuster la table en fonction de la hauteur de notre pièce à usiner. On travaille toujours avec une distance minimale de façon à éviter le passage des mains au niveau de l'outil. Pensez à resserrer une fois la machine réglée. Cette machine est équipée d'un système de graissage automatique. Qu'est-ce qui est graissé? C'est la chaîne, comme toutes les chaînes, pour éviter la friction avec le guide, il faut graisser. À chaque abaissement du levier, vous avez de l'huile qui est envoyée sur la chaîne. Il faut donc vérifier que le bac n'est pas vide et le réajuster si besoin. Voyons maintenant un petit peu plus précisément l'intérieur de la machine. Les machines sont équipées de capots avec capteurs. Lorsque le capot est ouvert, la machine ne peut démarrer. On retrouve notre chaîne avec son sens de rotation indiqué ici. Donc là, la machine fonctionne comme ceci. On peut le repérer également à la position des dents. Le système de graissage ici. Vous retrouvez ici le pare-éclat qui viendra éviter les éclats du fait de la remontée des dents. Le système de tension. Votre chaîne est tendue de façon à permettre le passage d'un crayon de charpentier ici. Ce qui permet de vérifier la tension. Ça reste approximatif, mais il n'est pas nécessaire d'être plus précis. On retrouve un système pour la butée de profondeur qui va nous permettre d'effectuer le réglage en profondeur de notre mortaise